Donc salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon version Soul Silver. Donc ça fait hyper longtemps, hein. Je suis désolé mais j'étais malade, j'avais eu quelques notes un petit peu basses. Et puis bah voilà, voilà hein, tout ce qu'on peut dire. Donc la dernière fois on s'est arrêté juste devant Lance, donc on devait le combattre. Donc aussi, bah, j'ai pas changé mon équipe parce que comme je vous ai dit dans une autre vidéo, je veux voir ce que ça fait de les laisser comme ça pour en faire un petit peu de challenge pour la deuxième arène. De toute façon, je les entraînerai après, hein. C'est juste pour voir. C'est un peu risqué, mais bon, hein. Je pense pas que je perdrai. Du coup, bah, je suis bien comme ça, je vais juste mettre Roucoule en première position. Et j'entraînerai vraiment Phantom Minute dans le prochain épisode, vous inquiétez pas. Enfin, peut-être pas parce que je vais en tourner à la suite, mais bon. Ah, désolé, j'ai pas lu. Oh, c'est pas grave. Je ne te laisserai pas nous mettre des bâtons dans les roues. Attention, Lance. Donc là, on va combattre Lance. Donc vous voyez, je suis encore toujours un petit peu enrhumé, mais bon. Je pense que ça va aller. Voilà. Donc là, un Oferapti. Donc ça va vraiment pas être compliqué. Hein. Voilà, une petite tornade. Voilà, du coup on l'a battu. Donc du coup on a de l'expérience. Et là un Snogo. Donc je pense qu'on va continuer. Hein, parce que voilà. Donc en plus l'arène, comme c'est des insectes, ça va vraiment pas être dur à combattre. On va juste faire quelques petites attaques. Ouais. Voilà. Donc voilà. Oh la purée, ça lui fait rien. Ouais, vive attaque. Putain, ça lui fait rien du tout. Abusé. Ouais, c'est déjà plus utile. Bon, ok, c'était un coup critique. Oh non, pas ça. Oh non. Putain, je vais devoir me taper tout ça pendant toute la grotte. Tu es vraiment là pour mettre des bâtons dans les roues. Hein. Exactement. Désolé, hein, je suis encore toujours enrhumé. Du coup, là, j'arrive pas à bien commenter. Ouah, enfin bon, c'est pas grave. T'as un petit peu, mais pas trop. Vous avez battu le commandant Lance. Je n'aurais pas dû sous-estimer un enfant. C'est pas grave, hein. Le rhume, ça me fait une voix bizarre. Du coup, je peux faire différentes voix pour chaque personnage. La Team Rocket a été dissoute il y a 3 ans, certes. Mais nous avons continué nos activités dans l'ombre. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu n'arriveras pas à nous arrêter. Tu devrais dorénavant vivre dans la terreur de nos prochains coups. Ouah. Oh, il y a Fargas. En fait, ils ont déjà coupé les queues. Bravo, Thunder. La Team Rocket a décampé. Mon dos va mieux. Allez, rentrons. Ok, merci. Il me fait sortir. C'est parfait. Salut, Thunder. Tu as été formidable. Comme je t'ai dit, la Team Rocket a été vaincue il y a 3 ans. Par un garçon qui s'appelait Red. Mais là, les voilà de retour. Et j'ai un mauvais pressentiment. Quel qu'il en soit, tu m'as beaucoup impressionné. Je serais fier de fabriquer des Pokéballs pour toi. Pour le moment, j'ai que ça sous la main. Mais prends-la quand même. Oh, speedball. Je me rappelle, c'est comme ça que j'avais capturé mon Pokémon préféré, donc Raikou. C'était avec cette balle. Oh, mais tu as des noirs, allez, laisse-moi faire. Ah. Ok, je vais donner un noix grume jaune, ouais. Ouais, un. Oui, voilà. Ouah. Il me faudra une journée pour tout finir. Reviens plus tard. J'ai une idée, tu veux le numéro de téléphone de mon papy? Oui. Tanner a enregistré le nom dans son Pokématos. Voilà, donc là après on va aller faire vite fait l'arène, enfin le début de l'arène. Voilà. Enfin, d'abord on va aller les soigner. Comme ça, ça sera fait. Ouah. Donc apparemment on a pu voir que les Ramolos avaient récupéré leur queue. Enfin ils avaient récupéré, je pense qu'elles ont repoussé même. Voilà. Donc là on soigne nos Pokémon. Et on va se lancer à l'attaque de l'arène. Donc là c'est vraiment un test hein, pour voir les niveaux. Mais ils seront beaucoup entraînés la prochaine fois. Peut-être niveau 25, 27. Hein, parce que faut vraiment qu'ils soient forts. Ouais. Donc là on y va. Ouais, ouais, ouais. C'était pas ça que je voulais faire mais bon. C'est pas grave. Pff,
Là, je suis bien content de reprendre un petit peu ce jeu-là, donc ça va être cool. Donc là, on va aller vite fait battre le dresseur. Désolé, hein, je prends un petit peu mon temps, mais bon. Allez, comme ça nous entraîne un petit peu. T'as pu traverser la toile comme un Pokémon insecte? Je vais pouvoir t'apprendre ce qui fait leur charme. Non, j'ai pu traverser la toile grâce aux araignées. Voilà. Cette fois, j'espère que le téléphone va pas tomber parce que j'ai un peu les boules qui retombent. Wow. Allez, tornade. On est vraiment un cadre. Voilà. Donc là, je gagne 135. Ouais, pas mal. On monte au niveau sup. D'apprendre cyclone. Cyclone, c'est un petit peu pathétique, même insensé et inutile. On peut carrément négliger cette capacité en fait. Voilà, donc un aspicot niveau 12, parfait. En fait, ça va, je suis quand même dans les niveaux, jusque le plus fort de l'arène est niveau 17. Puis comme ça va, je suis dans son niveau, ça va aller. Je sais que Kevin, lui, s'est beaucoup entraîné, donc voilà. Donc c'est vrai que pour l'instant, il a plus de chances de gagner, mais il a quand même perdu un Pokémon et moins 0. Donc tout est possible. D'ailleurs, je suis bien content d'en avoir perdu 0, parce que j'ai pas envie d'en perdre un, en fait. Voilà. Du coup, maintenant, on va aller passer vers le dresseur. Donc dans le prochain épisode, on finira l'arène. Hein. Là, c'est juste pour une petite vidéo reprise. Du coup, voilà. On aura fait carrément toutes les araignées. Dans la prochaine vidéo, je me speederai un petit peu plus hein, et tout ça. Et surtout, je passerai un petit peu les combats, mais pas trop pour pas que ça fasse de la triche. Les Pokémon insectes évoluent rapidement, ils deviennent forts plus vite. Ouais, c'est vrai ça. Désolé pour les bruits, mais je regarde quelque chose. Voilà. Aspicot, niveau 7. Ok. Tu pouvais pas avoir plus nul, mec. Oh là là. Donc, attendez, je regarde juste un truc. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui la liberté d'expression soit essentielle et qu'elle permet de tout dire? Alors, vous aussi, avec vos émotions, une connue situation d'enfermement, vous avez souhaité en échapper par la pensée. Racontez cet épisode à la première personne sous une forme narrative. Ok. Oh, désolé, j'ai un autre truc. C'est parti. Donc on continue. Oh. Ah, j'ai le nez bouché. Ah, c'est un truc de malade. Mais bon, c'est pas pour ça que je vais arrêter quand même les vidéos. Voilà. C'est fait. Donc voilà. 136 et Dardarnian. On va continuer le combat. Ce Dardarnian, ça peut être trop fort. Hein. Juste au niveau 12. Et puis en plus, si je fais tornade, je pense qu'il sera KO. Voilà. Ah bah si, en fait c'est un peu fort quand même. Oh purée. Oh mince. Non mince. Oh purée. Il fait que des coups critiques. Oh c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, faire extrêmement gaffe là. Vous imaginez, il aurait refait Fury que là ça le met pas de KO. Oh là là. Oh oh. Oh oh. Non, 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 non. Oh purée. The Sop là, fait pas 5 fois qu'encore. Oh, oh purée. Il était à deux doigts de perdre Phoenix. Ça m'a un petit peu énervé parce que. Enfin pas énervé mais. On serait triste. On serait tous tristes. Oh là là. En tout cas, on gagne beaucoup d'expérience. Et je retire ce que j'ai dit sur ce Dardarnian, il est pas si faible que ça. Là, il est au niveau 18. Faire évoluer un Pokémon n'est pas suffisant. Ouais, t'as vu, moi je l'ai pas fait évoluer et c'est suffisant. Oh, il va évoluer. Bon, bah, on va regarder cette évolution. Hein. Voilà. Allez, évolue, mon pote. Non, je rigole, hein. On n'a pas le droit. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui ont cru. Quelques-uns. Pas tous, mais quelques-uns. Donc, ça fait quoi si je fais. Oula, le point de vue, désolé. Oula, 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 oula. Voilà. Je sais pas ce que ça fait si on retire ce machin. Je sais pas, on va pas le retirer pour l'instant.
Ok, hop, 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 hop. Si, en fait, on va faire ça. Waouh! Là, tu vas affronter notre champion, mais c'est pas possible. Pas possible du tout, ça. Même si je perds mon temps, je serai ton adversaire. Ce qui est bien, c'est qu'avec le rhume, on peut avoir des voix super cool, comme par exemple les voix de gamine. Les voix super cool, enfin des voix super cool en fait, comme Lance, je lui avais fait une voix assez spéciale. Oh non, pas Cerber. Ou mince, Phoenix, j'ai pas soigné. Et on n'a pas le droit potion. On va changer de Pokémon. Hein. Soit c'est la mort, soit c'est la vie. Et toi, on va aussi te changer, parce que même si t'es nul, j'ai pas envie de te perdre. Oh purée. Non, on va pas faire ça, on va faire. Oh purée. Désolé. Purée, mais qu'est-ce que. Oh, m'énerve ça. Clique n'importe où. Voilà, ensuite Pokémon. Échanger, voilà, on va faire ça. T'as déjà 11 minutes. Donc après ce combat, je pense qu'on va s'arrêter là. Bien. Donc là, ça fait déjà un KO. Hop. Non, même pas, purée. Non, ah c'est bon. C'est bon, c'est bon. Non. Oh non. Oh. Oh purée. J'ai l'impression qu'il va y passer un jour, Phoenix. Oh là là. Toi attaque pic-pic sur Mimigal. T'en as failli perdre. Oh là là, le combat. Hop, on l'a battu. Oh la vache. T'as tout le monde gagne de l'expérience. Mais rate ton attaque, c'est cool. Toi, tu vas te faire jet de pierre sur lui. Et toi, tu vas faire pic-pic sur lui. Oh la vache. On a failli perdre Phoenix, vous vous rendez compte? C'est quand même Phoenix, quoi. Oh là là. Oh, quelle horreur. Ah, si on l'avait perdu, je serais dégoûté. Quelle violence, quelle puissance. Donc, voilà, on va juste actionner ça. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Hein. Donc ça, c'était l'épisode un peu reprise de Pokémon, voilà. Donc si vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à faire ce que vous voulez. Hein. Pouce rouge, pouce bleu, voilà. Donc ce que je vais vous dire, c'est un prochain épisode. Salut tout le monde.